Et il faudra aussi que je reparte à Corel. Un de ces quatre. Où est le marchand? Là. Ah, c'est en hauteur. Du coup, faut prendre l'escalier qui est là-bas. Là. Dis-moi que t'as un bracelet d'os. Bracelet en os, yes. T'as dépensé 1500 balles pour ça, franchement. Voilà, comme ça, c'est tout bon. Bracelet Nautil, armée de route. Ouais, ça, il faudrait que j'aille voir un Cosmo Canyon, je pense. Bon, ça, c'est fait au moins. Ensuite, on a besoin d'aller où? On va aller au ranch ici. Faut que j'aille où? Faut que j'aille à Corel, on a dit. Aérodrome de Corel. Oui, de toute façon, ça revient même. La zone de Corel. Ok, à Corel, on a besoin d'aller là-bas. Dans le Blunder Saucer. Et j'avais donc un adversaire de Queen's Blood ici. Que j'avais pas combattu dans le bateau pour aller vers Costa del Sol. Eh ben c'est parti hein. Je regardais, est-ce que j'avais eu une nouvelle carte? Oh là oui. Alors, Golem. Au lieu d'une créature inconnue réanimée à vos mains, cette carte est détruite. Intéressant. En vrai intéressant. Augmente de 1 la puissance de cette carte quand une des cartes alliées est détruite. Réduit de 2 la puissance des cartes adverses sur les cases à effet spécial la première fois que cette carte est affaiblie. Legion Desert augmente de 4 la puissance des cartes alliées sur les cases à effet spécial la première fois que cette carte est affaiblie. Ouais. Après, en vrai, elle est... il a 3 de puissance plus un effet. Et c'est les mêmes trucs que le piaf là, donc on va remplacer. Hein. Et là... Réduit de 4 la puissance des cartes adverses, machin. Une fois que cette carte est renforcée. Ouais, mais pff, elle prend aucune case, donc c'est un peu nul. Par contre, ça. Non. Non, parce qu'il y a déjà un effet lui. Merde! Il y a peut-être d'autres cartes. Oui. Le dragon sur lequel je suis là, ouais je l'avais pas vu je pense. Réduit de 1 la puissance des cartes alliées adverses sur les cases à effet spécial quand cette carte est jouée. Ça c'est pas mal pour niquer tout l'arrière de ces lignes et donc de proc des effets potentiellement. C'est une idée. Réduit de 1 la puissance des cartes adverses sur les cases à effet spécial. Donc là c'est comme le Quetzalcoatl mais avec un effet. C'est que les cartes adverses quand cette carte est affaiblie. Mais au pire, si elle n'est pas affaiblie, ça change pas grand chose. Et le Quetzalcoatl, il a 3 de puissance, donc on peut remplacer tout à fait. Le même pattern. Alors lui, c'est quoi? Augmente de 4 la puissance des cartes alliées adverses sur les cases à effet spécial quand cette carte est renforcée ou la réduit de 4 quand cette carte est affaiblie. Ça, c'est trop dangereux. Et j'ai pas trop vu comment ça marchait la dernière fois. Basilic, détruit les cartes adverses sur les cases à effet spécial quand cette carte est jouée. Ah oui, donc là c'est vraiment genre juste ça détruit quoi. Mais le placement est un peu dégueulasse, c'est une carte à 3 donc c'est un peu chiant.
ici peut se substituer à une carte alliée en la détruisant. Ouais. Et ça, non, c'est bien d'avoir des pions qu'on peut placer tout court. Spectre de J réduit la puissance des cartes alliées adverses sur la case à effet spécial proportionnellement à la puissance de la carte que celle-ci a substituée. Non. Ça peut être bien, mais non. On va pas prendre ça. Le reste est bien. Faire ça. Into Titan, into Pocheur Janonien. Bon là, il me copie déjà. Il s'étend là. Ok. Je vais peut-être... On peut attendre. Je vais faire ça pour le bait. Non. C'est nul. Non, je vais faire ça. Hein. Prends là. Ok, pas de problème. Fais ça. Oh, ok. On va dire que j'apprécie, mais... Ah, c'est vers le haut. Je reprends ces cartes. Ah oh, mais relou. Donne-moi ça. Oh non. Il me prend trop d'emplacement aussi. Ouais, il va devoir scorer, mais ouais, il va pas réussir à scorer. Il a des cartes trop faibles. Il y a des cartes à 1. Après, il améliore un peu quand même, mais malheureusement, rien. Si, il améliore derrière, le bâtard. Mais c'est toujours pas suffisant. Hein. Il va perdre. Là, d'accord. Est-ce qu'il a encore autre chose? Non, bah j'ai gagné. Bah c'est bien beau hein, de prendre plein d'emplacements de terrain et de... Et d'avoir des cartes qui se superposent, etc. Mais si c'est pour mettre des cartes à 1... Ajoute une carte petit grand galant à votre main quand cette carte est jouée. La zone est sympa. Ah, du lore. It's too late now. She
will not be denied. Pas que vocal du coup. Standing outside the home of Ledrell Balmont, the famed creator of Queen's Blood. Now let's hope he's willing to answer a few questions for us. What's this smell? It's awful. Mr. Balmont, are you home? Oh my god, I can't believe it. Mr. Balmont is dead. How long has he been in here? It must have been ages. His body is... The results of the autopsy reveals the cause of death to be starvation. The state in which he was found suggests that he had been playing Queen's Blood without stopping to eat, drink, or sleep. I found numerous cards scattered around him. And... hold on. What's this? That card... it looks like... the ship. Ouais, ouais. Du coup, un nouvel adversaire. Congratulations, Cloud. You have attained the rank of Blood Tactician. Speaking of, I've received intel that Regina. Bon caca. Regina. Eh ben, on va aller directement à Gongaga. Hein. Le TP. Je viens d'où, moi? Si directement TP, je sais plus d'où je venais. De Costa. Non, pas Costa del Sol, de Corel. Non. Ça, c'est pour aller à Google Saucer. Ah, c'était l'aérodrome. C'est ça. Direction Gongaga. You rang? Heureusement que ça coûte que 300, hein, parce que sinon, quel enfer. Hold on tight. Sid qui est du coup passé de personnage principal dans le jeu originel. Enfin, un des personnages principaux, hein. À random personnage de voyage rapide. Tout dur. Bonjour, je veux du lore sur le Queen's Blood. Cloud, fancy seeing you again. What are you doing here? Je viens t'affronter. T'affronter. I'm game, I guess. Il a pas l'air très enthousiaste. Oh, come on. You doing this or what? A peur de perdre encore une fois. La grosse nulle. Allez. Je vais juste
mettre la carte que j'ai gagnée comme vue. Elle est où? Elle est là. Allez, carte niveau 3, c'est trop chiant. Merde! D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle branle la gongaga là? Alors. Et ça va. Ok, il tue sa propre machin. Ah oui, pour améliorer sa carte, ok. Makes sense. Prier. Ah, relou. Le giga relou. Peu importe ce que je fais, en fait, là, je suis baisé. Je vais recommencer, ce sera plus simple. Ça on en a pas besoin au début, ça non plus. Je vais l'asphyxier. Ok. Voilà, et là il n'y a plus qu'un endroit où il peut mettre une carte. Et là il y a Keblo. Et là je suis free. Poser des cartes. Je vais en mettre ça là, comme ça je vais pouvoir mettre des grosses cartes. Ok, ça me va. On va mettre une carte, une grosse carte là comme ça. Là, je peux remplacer une carte nulle comme celle-ci. Hein? C'est la première fois que lui est affaibli, ouais, ça marchera pas. Mettre ça pour gagner des points en plus. Un petit titan là. Qu'est-ce qu'il va faire? J'ai peur. Ok.
Ok. Très bien. Je vais faire. J'ai grid pour marquer des points. Vas-y. Mais ta carte nulle qui va te donner 1. Ce qui n'est pas suffisant. GG. Parfait. Rhino Tank confère un bonus de 10 points en cas de victoire sur la ligne. Donc c'est comme mon truc Chocobo, mais là c'est niveau 3 avec 5 de puissance et plus de... cases. Let me tell you a story. Et du coup, on enchaîne. The lift queen of peerless beauty and compassion. She loved her people. And they in turn loved her. But one day, a change came over the queen. In the blink of an eye, her love turned to hate, her compassion to cruelty. Fair and beauteous though she remained, her heart became black as pitch. Conquest was now her cause, her subjects mere fodder to feed her boundless ambition. And so her kingdom grew as her people perished. Until, that is, a ray of hope appeared. A sorceress who would be their salvation. Oh. The Emerald Witch, they called her. And with her arcane powers, she led the people in rebellion, captured the queen, and put her to death. Yet from the dark monster spilled blood as dark as shadow. And from this wicked ichor, the myriad fiends of the world were born. And that is the story of the Shadow Blood Queen. Some call it a parable, a myth, a fairy tale, and I wish it were. But she is as real as you and I. And she is coming. Her resurrection is nigh. You know what must be done. She cannot be allowed to return. She must not reclaim her throne. I pray you will succeed where I so miserably failed. You are our last hope, Cloud. Ah oui, on a lié un petit... I await you at the haunted hotel. You must hurry. Oh. Donc au Gold Saucer. Don't mind me. Not been feeling so hot. Hey, Cloud. Do you know anything about the Shadow Blood Queen card? It's the most powerful card in the world. One of a kind. Though it seems there's a special card that can supposedly counter it. The Emerald Witch. Sorry, sorry. Just forget I said anything. I'm really tired is all. Too many competitions lately. Mais du coup, faut aller... Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'y aille au Gold Saucer? Ou est-ce que ça veut dire que le prochain adversaire sera... sera là-bas, là. Tiens, il y a un nouveau truc au Colisée du... Ah mais non, ça c'est le truc avec les monstres. Là. Pour l'instant, il n'y a rien qui est affiché sur la carte en tout cas, mais je pense que ça sera le prochain adversaire. Allons là-haut. Je sais pas. On verra. La direction Nibelheim. Il reste 20 minutes de stream. C'est parti pour un peu d'histoire.
Les boîtes. C'est vrai que je vais pas explorer toute cette zone. L'aérodrome. C'est parti, on peut enfin aller vers Nibelle. Donc, pour rappel, Nibelheim, ville d'origine de Cloud et Tifa, qui a brûlé quand Sephiroth a pété un plomb. Notre ami, comment il s'appelle ? Notre ami Sephiroth a buté la mère de Cloud, il a buté le maire, bon bref, il a buté à peu près tout le monde. Il y avait un manoir aussi avec des archives. Ils l'ont mis sur un autre continent, Nibelheim. Comment ça ? C'est là. Normalement c'est sur le même continent que Corel, Costa del Sol et tout. Non, je pense juste qu'on est passé par un bout de mer, mais non, ça suit bien, c'est bien sur le même continent. Chapitre 11. Un village natal méconnaissable. Hey, Sephiroth, wait up. Bring me the black materia. Je pense que ça va pas aller en s'arrangeant, hein, vu l'endroit où on va. You okay? Yeah. Looks like we're not the only ones headed for Nibelheim. Almost like they swung by Cosmo Canyon just so they could lead us here. Sorry, just thinking out loud. Forget about it. Ah, mais il a pas récupéré sa voix de daron. Ça dégoûte. Franchement, le plus gros gâchis. Odin. Oh, Odin. Odin stylé. Et Odin peut-être plus intéressant que dans les jeux de l'époque. Hein. Bon là il y a un truc à faire en chocobo mais j'ai pas de chocobo. Codin dans les jeux originaux, ça permettait de potentiellement one-shot des ennemis. Sauf que du coup... Ah, il y a un banc par là. Sauf que... Sauf que ça ne fonctionne pas sur les boss. Et que s'il y avait... Enfin c'était soit ça one-shotait, soit ça... Ça échouait. Souvent c'est échoué. Donc personne n'utilisait jamais Odin. Et là il va attaquer. Ça va être plus stylé déjà. Une plume d'or. Il doit m'en manquer. J'ai pas pu acheter tous les costumes. Y a rien d'autre. Ok, alors à quoi elle ressemble la zone? Elle est grande, hein? Merde. Non, pas Cosmo. Ah oui, on voit là. Ouais, la map elle a changé, hein. Normalement elle était pas comme ça. Bah c'est bien, il y a une tour pas trop loin. Par contre, on va être à pattes. Des boîtes. Pom pom.
Oh, matériel noir. Oh, je suis vieux. Là, du coup, il va y avoir l'épée. Là, il y a que dalle. Il devrait y avoir des nouvelles ressources, du coup. Non. Bénédiction de la planète, on prend. Kate, I meant to tell you before, but the terminal's probably gone. Nudelheim burned down 5 years ago. It did. Not to worry, though. The terminal is as snug as a bug in a rug. Because Shinra wasn't about to let that facility burn down. Meaning the reactor? Well, that's important, too. But no. I'm no expert on Nibelheim, but what I do know is that it's the only lead we have on that materia. So, not much choice. Yeah. It's this or nothing. We should get going. Alors, c'est quoi ces mobs? Des loups? Nous, des loups de Nibel. Et putain! Sois ivre. Oh non, je suis bloqué. Cloud, tu vas faire une analyse parce que là c'est le bordel, on comprend rien. Ils aiment pas le feu. Voilà. Donc là, on va faire du feu. Il est toujours bloqué lui. Non, c'est bon. Cloud, transcendance. Les loups, toujours aussi chiants, hein, comme dans la première zone, finalement. Ils sont difficiles à esquiver, et du coup, quand ils commencent à nous choper... Ah! Oui, bon, une chose à la fois. En tout cas, on a l'air d'être revenu sur une espèce de plaine. Quelques montagnes, mais pas de hauteur, je pense. Qui est plaisant parce que bon, Gaga et Cosmo Canyon, même si Cosmo Canyon était agréable, il y a quand même, j'ai quand même un peu galéré sur la fin. Oh, Chocobo. Chocobo, Chocobo. Oh, les boîtes sont jolies. Rapport chocobo. Ah, et là on voit un chocobo à droite. C'est faire quoi là? Hein? Ça se dégonfle quand, comment, pourquoi? Ah mais du coup je peux pas passer. Ah là, à la limite. Ah oui, d'accord, ok. Ah bah du coup, il fallait bien que je passe par où? Pas clair. Pas clair, mais ok. Alors faut peut-être monter pour aller chercher des cailloux. Ah, je trouve un appât. Deux appâts. Trois appâts. Ah, ou alors au contraire, il faut ramener le chocobo à moi.
Ah oui, il faut éviter les trucs. Non, c'est pas comme ça. Ok. Non, ça va. Vite. Passe. Merde. Vite. Non. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, non. Putain, je peux passer là maintenant. Oh, te frotte pas au celui du haut. Bah oui, mais non, mais oui, mais c'est pas ma faute ça. On n'y peut rien, malheureusement. Et tu passes. Quoi ? Scandale. Mais. Ma gueule. Oh ! Ça va pas passer ? Si. Vite, cours ! J'ai pété un plomb. Les ballons vont beaucoup trop vite et le chocobo est beaucoup trop lent. Mais je vais y arriver. Je vais capturer Sirena. En plus, j'ai un point de contrôle. Ok, cool. C'est le jeu. Alors du coup, il va falloir à un moment ouvrir la voie parce que... Ah, là-bas. Au pire, avance un peu. Ah non, c'est bon là. Fonce. C'est ton moment. Ah mais non, mais... Mais... Non, pas depuis le début du coup. Mais elle se bloque toute seule dans les pics, j'y peux rien moi. Approche-toi là. Voilà. Vraiment en PLS comme ça. Je vais essayer de pré-shot. Trop près hein, par contre. Vite. Je spam, mais là, voilà, piqué le cul. Il crevé. Oh, comment ils arrivent tous vite. Piu. Allez, putain, avant de finir le stream de cet après-midi. Comme ça, je fais Nibelheim ce soir. J'éloigne quand même un petit peu. Là, je l'approche. On va être patient. Oui, et il est pas collé, pas trop en tout cas. Non, c'est bon. Approche-toi de là. Le cauchemar. Là, je connais pas les patterns hein, par contre. Vas-y, fonce.
Il y a des pics, tout va bien. Pas du tout stressé. Ok, fonce. C'est trop loin. Fonce, vite, vite. Oh, c'est bon. Et décale-toi un peu peut-être. Ok. Faut aller là. Hein? Ça passe. Point de progression mis à jour. Ça me plaît bien, ça. Message. Approche un peu. Ah, voilà. Non, non, non. Ah, putain. Ah, putain. Si elle était passée. Mais ok, bon, au moins je connais le passage. Peur, mais vas-y. Allez, descends. Vraiment là. Proche. Voilà, loin de ceux qui sont derrière. Ok, il n'y a plus qu'à attendre. C'est bon, fonce! Fonce, Sirena! Et décale-toi encore un peu, s'il te plaît. Normalement, c'est bon. Et là, je me fais repérer. Imaginez. En vrai. On va faire plus proche. Vous avez réussi à pâter machin. Ok, ouais. Allez, allez. Ouais, c'est bon. Waouh. Deux plumes en or. Nice. Oh, c'était un délire. J'ai bien... Enfin, la mécanique est ok, mais c'est mieux que les autres trucs qu'il fallait faire silencieusement. Mais ça reste un peu compliqué. Les chocobos marins glissent sur les mers et les rivières grâce à leur choco-jet. Ce puissant jet utilisable... Maintenant L2 leur permet de s'élever à la surface de l'eau ou d'accéder à des lieux en hauteur. Un choco jet moins puissant permet de voler au-dessus de la terre ferme. Oui, d'accord, ok. Bon, on testera ça. Or là. Bon, déjà, je peux un peu voler, ce qui est cool pour un chocobo. C'est quoi cette musique qu'ils ont mis? Attends, petit chocobo, j'arrive. Ok, c'est là. Là. Et on va s'arrêter là, je pense. Voilà. Bon, je peux même faire une petite photo, même si je pense pas qu'elle servira pour cette VOD. Mais pour la prochaine, au moins, en plus, ça fait une belle vue, là. Parfait. Donc, on va s'arrêter là pour, enfin, pour cet après-midi, pardon. Et je reviens à 21h pour la suite. Hop.
presque 60 heures. Attention, attention. 3, 2, 1. 60 heures de jeu. Parfait, on est content. Donc du coup, à tout à l'heure pour la suite. Des bisous.